Sushi Go Party est un jeu de draft et de collection. Les joueurs composent leur menu, puis choisissent et jouent des cartes pour gagner des points. Si vous connaissez Sushi Go, alors vous connaissez Sushi Go Party. Pour les autres, c'est un jeu qui se joue en 3 manches. Chaque manche, les joueurs commencent avec 7 à 10 cartes en main suivant le nombre de joueurs. Simultanément, chacun choisit une carte, la place face cachée devant soi, puis passe le paquet à son voisin de gauche. Lorsque tout le monde a terminé, les cartes sont retournées et un nouveau tour commence avec le choix d'une nouvelle carte puis le passage du paquet. Les cartes sont classées par type, les unes à côté des autres. Lorsque toutes les cartes ont été jouées, la manche prend fin et chaque joueur calcule son score. Les cartes sont défaussées et une nouvelle manche commence de la même manière. Petite particularité, les desserts ne sont jamais défaussés et leur score n'est compté qu'à la fin de la partie. Celui qui a le plus de points accumulés gagne. Sushi Go Party ne change pas les règles de Sushi Go, mais ajoute de nouveaux éléments. Un plateau avec une piste de score et toute une série de cartes, 23 plats différents au total. Le menu n'est plus imposé, mais choisi. Les sushis, un type de maki, deux types de suppléments, trois types de hors-d'œuvre et un type de dessert. Le livret propose différents exemples. Les desserts sont aussi ajoutés progressivement et leur nombre dépend du nombre de joueurs. Les sushis sont présents quel que soit le menu et rapportent des points directement. La particularité des makis, c'est qu'ils jouent sur la majorité, mais aussi sur la quantité pour les Californiens. Les points des hors-d'œuvre dépendent du nombre d'exemplaires. Quant aux suppléments, ils sont tous différents et peuvent agir en jeu ou donner des points en fin de manche. Les desserts ne sont consommés qu'en fin de partie. Ils peuvent donner des points comme ils peuvent en retirer. Pour conclure, Sushi Go Party est un jeu simple et malin qui renouvelle bien Sushi Go. Les menus permettent de s'adapter non seulement au nombre ou à l'âge des joueurs, mais aussi au niveau d'interaction que l'on veut. Petit point noir, une boîte trop grosse et mal optimisée.